Hello, alors non, c'est pas une vidéo ASMR plus, même si j'adore en faire, c'est le 107e jour de marche sur le défi, 10 000 pas par jour pendant un an, donc voilà, il pleut, on se démotive pas. Alors bah, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais bah, l'occasion se présente, et je voulais parler d'un point. Alors je sais pas si vous le faites comme moi, je vois très peu de personnes le faire sur les sentiers. Peut-être sur les chantiers aussi, il faudra en discuter, parce que le mec qui taffe sous la pluie, je pense qu'il doit avoir de bonnes techniques. C'est la casquette quand il pleut. Alors, je suis un peu sous la pluie. Vous pouvez voir que ça pleut bien. Mais franchement, alors moi qui suis pas du tout adepte du confort, j'ai un sac ultra léger, je renie surtout. Franchement, la casquette, quand il pleut, bah c'est pas de trop. Parce que ça évite d'avoir toutes les gouttes dans la gueule. Regardez, là je suis sous la pluie. Alors, vous êtes sous un petit porche, là, comme d'habitude, devant le bois de Vincennes, le lac de Ménil. Et voilà, mais franchement, je trouve ça trop cool. Donc, comment je fais? Je mets ma casquette et j'enroule simplement le coupe-vent au-dessus de la casquette. Voilà. Et je trouve que c'est la configuration qui est top. Voilà. On n'a jamais de pluie sur la gueule, même là, regardez, il pleut pas mal. Voilà, donc je vous partage un peu la vue. C'est encore mieux que d'habitude parce qu'il n'y a pas de jogger. Alors je les aime bien, mais c'est vrai que là, c'est super tranquille, très très calme. Il y a juste la personne qui prépare les barques au cas où il y a un petit peu de soleil. Donc voilà. Voilà, c'est juste pour partager ça. Alors moi, quand je pars, pour la tête, généralement j'ai un buff. Alors l'été, j'ai un buff été anti-UV, une casquette, et en fait ça permet de combiner. Donc, quand il fait très chaud, je mets la casquette et le buff. Ça permet d'avoir une protection anti-UV, mais aussi, comme je transpire beaucoup, de aussi capter la transpiration. Voilà, c'était pour vous faire un petit coucou quand il pleut. Malheureusement, j'ai pas la tarpe. Il faudra un jour que je fasse un montage de tarpe sous la pluie pour vous montrer un peu le délire, et voilà. Donc allez, courage, c'est septembre, il fait moche, mais allez, on avance ensemble. Allez, à plus!